Bienvenue à notre sixième séance, toujours sur l'annale de mathématiques du repère. Donc, cette sixième séance va porter tout simplement sur la probabilité. Donc, cet exercice va concerner l'exercice 10 à la page 22. Donc, en petit 1, on nous demande tout simplement de déterminer le nombre de tirages possibles. Donc, pour déterminer le nombre de tirages possibles, suivez très bien, on sait qu'on contient 4 boules blanches marquées 0, 0, 2 boules blanches marquées 2, 2, 3 boules rouges marquées 7, 7 et une boule rouge marquée 5. Donc, ça veut dire que le nombre total de jetons est égal tout simplement à 10 jetons. Donc, or, on a effectué tout simplement un tirage simultané de 4 jetons, donc de manière simultanée. Donc, lorsqu'on vous parle de simultanéité, donc ça veut dire que les boules ont été tirées en même temps. Donc, ça veut dire que simultanéité, les quatre jetons ont été tirés en même temps. Donc, ça veut dire que de manière simultanée. Donc, alors, on vous dit que tout simplement, si c'est de manière simultanée, il s'agit tout simplement d'une combinaison. Donc, en petit 1, on va essayer de déterminer tout simplement le nombre de tirages possibles. Donc, soit oméga, l'univers associé à l'épreuve. L'univers associé à l'épreuve. Donc, du tirage des 4 jetons. Donc, à ce niveau, on a dit de manière simultanée. Donc, ça veut dire que les 4 boules ont été tirées en même temps. Donc, ça veut dire que cardinal de oméga est égal tout simplement à C10. 4. Donc, ici, c'est bien calculé. Vous allez trouver tout simplement 210. Donc, on a 210 tirages possibles. Donc, cardinal de oméga est égal tout simplement à 210 tirages possibles. Donc, voici le nombre de tirages possible. Deux petits a, calculer la probabilité de l'événement B. Donc, or, à ce niveau, on demande de calculer l'événement de la probabilité B. Or, le B, c'est quoi? L'événement, on dit avec les jetons tirés, on peut former le nombre 2000. Donc, là, on vous précise qu'il y a équiprobabilité. Donc, comme il y a équiprobabilité, P de B est égal à cardinal de B, donc c'est cardinal de oméga. Or, cardinal de B, c'est quoi? C'est former le nombre 2000. Donc, pour former le nombre 2000, c'est très simple. Il suffit de tirer un jeton 2 parmi les jetons blancs marqués 2. Donc, à ce niveau, on aura C 2, 1 et tirer 3 jetons marqués 0 parmi les 4 jetons marqués 0. Donc, on aura C4, 3, sur cardinal oméga qui fait C10, 4 tout simplement. Donc, voici comment on calcule tout simplement la probabilité de B. Donc, c'est cardinal de B, c'est cardinal oméga. Donc, ici, c'est bien calculé. Vous trouvez tout simplement P de B est égal tout simplement à 8 sur 210. Donc, 8 sur 210. Donc, on peut simplifier. Ça fait tout simplement 4 sur 105. Donc, voici tout simplement P de B. 2 petits B. Calculer la probabilité de l'événement A. L'événement A. Les quatre numéros tirés sont identiques. Donc, identique, ça veut dire que les quatre jetons tirés sont même chose. Et la seule possibilité, c'est de tirer tout simplement les quatre jetons marqués 0, 0 à ce niveau. Donc, à ce niveau, P de A égale tout simplement à cardinal de A sur cardinal de oméga. Donc, à ce niveau, il faut tirer tout simplement les 4 jetons marqués 0, 0. Donc, ce que je dis simplement, on a C4,
4 sur cardinal oméga qui fait C10-4. Donc, ça veut dire si c'est bien calculé, on a tout simplement 1 sur 210. Donc, ça veut dire tout simplement que P du A est égal à 1 sur 210. Donc, voici la probabilité de A. Calculer la probabilité de C. Or, C, l'événement C, c'est tous les jetons sont blancs. Donc, ça veut dire que tous les jetons tirés sont blancs. Donc, on dit qu'il y a une probabilité. Ça veut dire que P de C égale à cardinal de C sur cardinal de oméga. Donc, tous les jetons sont blancs. Donc, or, si vous remarquez, dans l'urne, il y a combien de jetons blancs? Il y a 6 jetons blancs. Tout simplement, donc il suffit tout simplement de tirer 4 jetons blancs parmi les 6. Donc à ce niveau, ça fait 6, 6, 4 sur C10, 4. Donc cardinal de oméga. Donc si c'est bien calculé, vous aurez tout simplement 15 sur 200. 15 sur 210. Donc ça veut dire tout simplement P2. C égale à 15 sur 210, donc on peut simplifier. Donc si on simplifie, on trouve tout simplement 1 sur 14. Donc P de C égale tout simplement à 1 sur 14. Donc voici la probabilité de P de C. Calculer la probabilité de l'événement D. D, l'événement D, tous les jetons sont de la même couleur. Donc, comme il a écrit probabilité, P de D égale tout simplement à cardinal de D sur cardinal de oméga. Or, pour que tous les bouts soient de même couleur, à ce niveau, si vous remarquez, il y a deux possibilités, puisqu'il n'y a que deux couleurs, blanc et rouge. Donc, il faut tout simplement, soit on tire les quatre rouges, les quatre blancs parmi les six blancs, ou bien les quatre rouges parmi les quatre rouges. Donc, il y a deux possibilités. Donc, à ce niveau, on aura tout simplement C6-4 plus C4-4 sur cardinal oméga qui fait C10-4. Donc, à ce niveau, si c'est bien calculé, on trouve tout simplement P de D égale à 16 sur 210. Donc, à 16 sur 210. Donc, si on simplifie, P de D est égal tout simplement à 8 sur 105. Donc, voici la probabilité de P de D. Calculer la probabilité de l'événement E. E, on a dit tout simplement, au moins un numéro porte, au moins un numéro est différent des autres. Donc, ça veut dire que E, les numéros sont différents, tout simplement. Donc, or, à ce niveau, on peut déterminer la probabilité de E tout simplement en se référant à la probabilité de l'événement A. Puisque l'événement A, c'est les boules sont identiques. Or, l'événement E, c'est les boules sont dites différents. Donc, ça veut dire que une probabilité, son contraire est égal tout simplement à 1. Donc, dans ce cas, on sait que P de E plus P de A égale tout simplement à 1. Donc, c'est à nous maintenant de tirer P de E. Donc, P de E égale tout simplement à 1 moins P de A. Donc, à ce niveau, on aura tout simplement 1 moins 1 sur P de A, ça fait 1 sur 210. Donc, si c'est bien calculé, P de E égale tout simplement à 209 sur 210. Donc, voici P de E. Donc, P de E égale à 209 sur 210. Calculer la probabilité de B, sachant que C est réalisé. Donc, à ce niveau, c'est comment? Donc, ça veut dire que pour calculer cette probabilité, on sait que l'événement C est réalisé. Donc, ça veut dire que
Le C, c'est Lulu, le cherchant, on sait qu'il est réalisé. L'événement C est réalisé. Or, l'événement C, ça veut dire que tout simplement, tous les jetons sont blancs. Donc, et B maintenant, on demande tout simplement de montrer, de calculer l'événement B, c'est les jetons. Avec les jetons tirés, on peut former le nombre 2000. Donc, ça veut dire que tout simplement, c'est P de B, sachant C, et vous appliquez la formule, égale à P de B inter C sur P de P de C. Or, ici, si vous remarquez, P de B inter C, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que former le nombre 2000 avec des jetons blancs. Ça veut dire que ça veut dire que ce C, c'est des jetons blancs. Tous les jetons tirés sont blancs. Et B, c'est former le nombre de 2000. Donc, ça veut dire que P de B inter C, ça veut dire tout simplement former le nombre 2000 avec les jetons blancs. Or, si vous remarquez, le nombre 2000 uniquement ne peut être formé qu'avec les jetons blancs. En réalité, P de B, cherchant, c'est égal tout simplement à P de B sur P de sur P de C. Donc, ça veut dire tout simplement égal à P de B sur P de C. Et on avait déjà calculé P de B précédemment. Donc, P de B qu'on avait calculé qui fait tout simplement 4 sur 105, le tout sur P de C. P de C aussi, on avait calculé qui nous faisait 1 sur 14, tout simplement. Donc ici, si on calcule bien tout simplement avec l'inverse, tout simplement, P de B, sachant C, on trouve effectivement 8 15e. Donc, 8 15e. Donc, P de B, cherchant C, est égal tout simplement à 8 15e. On va établir la loi de probabilité. Donc ici, on vous demande tout simplement, on a associé maintenant le jeu à un gain d'argent tout simplement. On dit tout simplement, donc si le joueur peut former le nombre 7000, il gagne 75 euros, 2000, il gagne 25 euros, et 00, il gagne moins 15 euros. Donc, et tous les autres cas, il gagne moins 5 euros. Donc, on va d'abord définir tout simplement les valeurs prises par X. Donc, on va choisir grand X comme univers. Donc, on va choisir tout simplement grand X comme la variable aléatoire, comme vous avez l'habitude d'utiliser grand X. Donc, les valeurs prises par grand X, X oméga. Donc, on commence par la plus petite valeur. Ici, on aura moins 15, moins 5, 25 et 75. Donc, voici les valeurs prises par X. Donc, on va essayer de calculer maintenant pour chaque cas. Donc, on va calculer pour P de grand X égale à 700. Donc, P de grand X égale à 700. Donc, ça veut dire qu'on aura tout simplement 75. Donc, dans ce cas, on dit qu'on doit former le nombre 7000. Donc, et c'est très simple. Faut tirer un 7 parmi les 7 jetons marqués 7 et 3 0 parmi les 4 jetons marqués 0 0. Donc à ce niveau, c'est très simple sur cardinal oméga. Donc à ce niveau, on tire tout simplement C 3 1, on tire un 7 et C 3 4. Donc C 3 4 sur cardinal oméga. Cardinal oméga, ça fait C 10 4, donc si c'est bien calculé, donc à ce niveau, on aura tout simplement 12 sur 210. Donc voici tout simplement P de grand X égale tout simplement à 75. Donc P de grand X égale à 75. Donc 12 sur 210, on peut simplifier, ça fait 2 sur 35. Donc 2 sur 35. Donc P de grand X égale à 25
Donc, ça veut dire qu'à ce niveau, il faut former le nombre 2000. Or, on avait calculé la probabilité de former le nombre 2000 correspond tout simplement à P de P de B. Donc, on avait déterminé ça. Donc, P de B. Donc, on avait déterminé P de B qui nous faisait tout simplement 4 sur 210 sur 5. 5 plutôt, donc 4 sur 105. Donc, voici tout simplement la probabilité de P de grand X égale à 22, 25. Donc, on va calculer maintenant pour grand X égale à moins 15. Donc, P de grand X égale à moins 15. Donc, égale à moins 15, ça correspond tout simplement à former les jetons, 4 jetons marqués 0, 0. Or, si vous remarquez, c'est les jetons sont identiques. On avait calculé ça précédemment, qui correspondait tout simplement à P de A. Donc, A, P de A, on avait trouvé tout simplement 1 sur 210. Donc, 1 sur 210. Donc, voici P de grand X égale à moins 15. Donc, il va nous rester tout simplement le dernier. Et pour tous les autres cas, P de grand X égale à... Donc, P de grand X égale tout simplement à moins 5. Donc, or, à ce niveau, on n'a pas précisé, on a dit égale à moins 5. Or, on sait que la somme des probabilités est égale tout simplement à 1. Donc, dans ce cas, on fait tout simplement 1 moins... Les autres qu'on vient de calculer, donc 1 moins tout simplement P de grand X, donc moins P de grand X est égal à 75, donc plus P de B, donc plus P de A. Donc, on fait tout simplement 1 moins tout, c'est probabilité. Donc, à ce niveau, si on calcule maintenant, on aura 1 moins, donc P de grand X égale à 75, on aura 2 sur 35, moins P de B qui fait 4 sur 105, moins P de A qui fait 1 sur 210. Donc, si c'est bien calculé, P de grand X égale à moins 5, on trouve 189 sur 210. Donc, sur 210. Donc, P de grand X égale à moins 5 égale à 189 sur 210. Donc, de là maintenant, on fait notre tableau de probabilité. Donc, la loi de probabilité est toujours représentée sous forme de tableau. Donc, dans ce cas, on met toujours XI ici. Donc, on commence par la plus petite valeur. On aura moins 15. Donc, moins 5. 25 et 75. Donc, à ce niveau, on a P de grand X égale à XI. Donc, et on met tout simplement les valeurs de probabilité trouvées. Donc, ici, P de grand X égale à moins 62, moins 15. On a trouvé tout simplement 1 sur 210. Donc, 1 sur 210 égale à moins 5. On a trouvé tout simplement 189 sur 210. 25, on a trouvé 4 sur 105. Et le dernier, 75, on a trouvé 2 sur 35. Donc, voici tout simplement la loi des probabilités qui est toujours représenté sous forme de tableau. Calcul de l'espérance mathématique. Donc, l'espérance mathématique, la formule AX est égale tout simplement à la somme de
X, I, P, I, avec les I allant de 1 à N. Donc, à ce niveau, dans les X, I, P, I, donc on aura tout simplement moins 15 multiplié par 1 sur 210 plus moins 15 encore, moins 5 fois 182 sur 210 plus 25 fois 4 sur 105 plus 75 fois 2 sur 35. Donc, si c'est bien calculé, l'expérience mathématique Ux est égale tout simplement à 2 tiers. Donc, ici, vous remarquez, 2 tiers qui est supérieur à 0. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau, le jeu est favorable. Donc, le jeu est favorable au joueur. Donc, le jeu est favorable au joueur. Donc, voici ce qui met fin à notre sixième séance sur la probabilité. Donc, à bientôt pour la septième séance. Les livres sont disponibles dans les différentes librairies du Burkina. Voici quelques librairies témoins où vous pouvez trouver ces manuels. Awaga, la librairie Jackie, près du Dek à Paspanga. Librairie Sida, porte 8, près du feu de Sénaza. Ecam Service, près du lycée Bétel. Librairie Papeterie, près du lycée Pawanitaoré. Abobo, Tsepreko, face à Deo Gracia. Librairie Sawadogo. Kodogo, librairie centrale de Kodogo. Banfora, librairie RN7. Anangoloko, librairie de la jeunesse. Librairie de la jeunesse près du gars de Gustave Afada, librairie Fatima, Zimniare, librairie Bassi, Kaya, librairie Sawadogo, Komisri, librairie Zongo, Dori, librairie Papeterie, Boromo, librairie Papeterie près du Carrefour de Boromo, Koundé, librairie Neroya, Koubri, librairie Papeterie près du siège de MPP. Pour ceux qui sont à Ouaga, vous pouvez nous contacter au numéro suivant, le 75 04 95 88, 71 05 86 89, 69 99 49 22. Donc, vous pouvez nous contacter à ces numéros pour vous procurer de ces manuels.